Allez, salut, c'est Baboun. Donc, on va se faire un petit test rapide avec le Vorza. Ah, freinage, j'ai peut-être augmenté un petit peu. Ah, celui-là, je suis à fond. Ok. Donc, je vais augmenter un petit peu pour à fond bloquer. Et on verra ce que ça donne sur la carte de prog. Là, je suis à moitié et il freine pas du tout. Ouais. Okay. Bon, après, les réglages. Ah, alors, peut-être que mon téléphone stabilise pas mal. Hein. Par contre, je sais pas ce qu'il filme. Je sais pas du tout comment le régler par rapport à la GoPro. Allez. Oh merde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah ouais, bah ils ont tout nettoyé et ils ont mis tout dans la fosse. Ah. Ok. Bon. Eh ben, on va pas passer par là. Hop là. Là, ils ont enlevé le gros tronc aussi. Ah, mais peut-être qu'ils vont faire quelque chose de nettoyage de bien ou à bout de bol. Ou peut-être que je vais peut-être plus pouvoir venir parce qu'ils vont l'utiliser pour autre chose. Moutou. Hop. On va se mettre là. Aïe. Alors j'ai commandé les ressorts durs chez Projo Hightech. Les ressorts rouges. Ah bah ouais, super. Ah, je sens que ça va pas le faire. On va rester de ce côté-là. Les ressorts rouges, donc plus durs. Chez Projo, j'ai demandé. Bah, je les ai pas trouvés sur le site. Donc, hop, j'ai envoyé un petit mail pour qu'ils me disent sous combien de temps ils peuvent les avoir. J'ai commandé des skids un petit peu partout. Skid plate RPM pour protéger le châssis. Ok. Et puis bon, on verra. Pour l'instant, ça suffit. Pour l'instant, ça suffit. Ah, t'as vu le freinage, il est limite. Hein. Je voudrais que j'augmente un peu le freinage. Alors j'ai vu sur la doc qui est super bien détaillée. Ça c'est pas mal. Hein. Tu vois que c'est des véhicules quand même. Enfin, je peux pas sauter trop haut là du coup. Ouais, j'ai un coup de frein, mais normal. Hein. Sur la doc, elle est super bien détaillée en fait. T'as toutes les références déjà, et puis bah, il te donne les réglages également de l'ESC qui est implanté dedans. Olé. Ah. Ah, c'est frustrant, je peux pas faire mes sauts là. Ah zut, c'est ça, je suis. Ouais, quand même un petit. Bref, il va falloir que je me. Hop, ça se dérange. Alors, je sais pas, je pense qu'avec la caméra, enfin avec le téléphone sur la tête, là vous avez rien vu. Bah, bon, je suis arrivé sur le dos. Ouais. Alors, c'est marrant parce que quand tu freines, là, c'est ce que je viens d'essayer de faire. Hein. Il freine pas beaucoup au sol, mais il est super réactif en l'air. Donc c'est pour ça qu'il part de l'avant, c'est que je freine après les sauts. Allez. Bien. De toute façon, pour faire les sauts comme je veux faire, hein, il va falloir que je me fasse une rampe. Bisous l'arbre. Que je me fasse une belle rampe. D'ailleurs, je savais même pas ce que ça va donner au niveau son sur ce téléphone. Ouais, j'ai fait mes vidéos d'atelier avec, mais
En atelier, c'est bien, t'as la cam devant toi, t'as le micro qui est pas loin. Ah. Mais à l'extérieur, bon, en fait, j'ai la cam sur la tête, hein. Sur une casquette. Hein. Ouais, je freine, mais ça sert à rien. Ah. Bon, il est super réactif en tout. Oula. En tout cas, il est super réactif. Ça se voit pas forcément à la cam, je suis d'accord, mais je le ressens à la conduite. C'est pas autant le SC, mon 8SC, bah, je l'ai tout le temps que je, hop là, je le conduis, je commence à avoir les habitudes du véhicule. Autant celui-là, pas encore. Ça se voit. Ah, puis je suis frustré, là, le terrain, c'est pas ce que je voulais. Et donc, je suis en 4S avec les bashing 5000 que Mani m'a offert gracieusement. Hop, pour que je puisse tourner et que j'ai des batteries, en fait, dédiées à ce véhicule. Ouais, bien. Ouais. C'est vrai que sur circuit ça doit être sympa sur moquette. Oula. Déjà t'as pas de souche. C'est clair. Et t'enroules les bosses. Ça se voit que ça elle aime bien faire. Appel contre appel là, sur les bosses. On voit qu'elle est à l'aise là-dessus. Tiens, si tu pouvais te remettre sur les 4 roues, ça m'arrangerait. On va rester là. C'est où? Ah, ok. Je voulais juste le toit. Ouais. Bim. Hop là, si je peux pas. Ah, attends, je vais revenir par ici. Ah. Hop. Et toute plate, elle se cache derrière les arbres. Hop là. Oh bah tu es là, dans les feuilles comme ça, je suis tranquille. Voilà. Alors on va la laisser là, s'accoupler, et puis ça va me faire plein de petits vents à flux avec un chêne. Et ouais, une voiture RC en bois. En 4S, ce qui est bien, c'est que là, elle est. Il y a pas mal de pneus qui peuvent y aller. Ouais. Ah, attends, je vais essayer un truc. Ah. C'est pas ça que je vais faire, mais j'ai adoré. T'es où? Ah, t'es là. Et non. Ouais. Je l'avais à moitié vu tout à l'heure qui passait. Allez, Thanos. Ouais. Ah, je peux pas de ce côté. Oula. T'as intérêt à réserver au Bicross, hein. C'est pour les gamins du village.
L'avantage là, c'est qu'on est dimanche, ils doivent être devant leur PC ou leur console de jeu. Et du coup, ouais, c'est peut-être eux qui font l'entretien. Faudrait que je passe un. Ouais, c'est bon. Là, je passe un samedi voir s'ils ont besoin d'un coup de main quand même. S'ils veulent réaménager le terrain, parce que ça fait. Avec les gens du village, ça fait facilement 5-6 ans qu'il a. Non, plus que ça même. Enfin, on s'en fout en fait. Qu'il est plus utilisé. Et ben c'est sympa. Je tourne des heures là. Hein. Et j'ai amené la deuxième batterie. Mais... Hop là, je crois que je. Ouais, allez, vas-y. Et il est pas très haut, hein, mais il se sort de pas mal de. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Ouais, t'as vu ça? Les pneus accrochent pas mal. Ouais. J'espère que ça a été beau là. Elle était bien placée. Ça, bien placé au début dans la bosse, après tu mets gaz et puis c'est bon. Hop, bisous. Bon, une fois qu'elle aura fait connaissance avec tous les arbres, ça va faire. Ouais, bien. Ok, bah écoutez, hein. Ah, oula. Moi, j'en suis content. Vas-y, roule-moi dessus, je te dirai rien. C'est la mauvaise foi du mec, c'est moi qui la pilote et puis je l'engueule quand ça va pas. Et je suis bluffé aussi par la qualité de la carrosserie, enfin le lissage en fait de la carrosserie, tu l'as déjà vu celui-là, de Alsace Body RC. Franchement, tant sur la carrosserie blanche là sur le Mungen, j'ai du mal à faire tenir les autocollants. Tant voilà, elle est tellement lisse que en fait, je pourrais dire aussi lisse que du Lexan, hein. Ça serait exagéré, mais franchement. Oh bah c'était où? Je pensais pas sortir par là. Mais franchement, ouais, très lisse. Donc tu mets... Bon, j'ai mis les petits autocollants, forcément Mani. J'ai mis les petits autocollants Achille RC sur le bas des portes arrière, sous les fenêtres. J'ai fait les fenêtres. Une petite barre devant, hop, histoire de faire comme si c'était un grand phare, là. Et puis roule ma poule, hein. Et puis j'ai mis ouais, une petite nana sur le côté. Pour venir accompagner Achille RC. Ah zut. C'était vite fait. Hein. Un petit manivert là, qui va bien avec la carreau, là les deux petits ronds. Là, t'as Achille. Avec une copine derrière. Un petit logo encore. Et puis bah pareil de l'autre côté. Hein. Les vitres noires. Et puis voilà, avec une petite découpe spécifique sur le capot. Une petite barre là, enfin toi, t'as déjà abîmé là. Puis voilà. Hein, quand tu roules, ça le fait. Après, je vais améliorer tout ça. Voilà. Et bon, il n'a pas bougé. Hop là. Il se plie bien. Ah, ça me... Moustique, ils sont en train de me bouffer les mollets. Bien fait de me mettre en short. Hein. Oula. Ah, puis ça m'attaque derrière la tête maintenant. Vacherie. Bon, je crois que je vais arrêter là parce que je vais me faire grailler. Et puis bon, ça suffit hein, pour un petit test. Il y a la caméra qui me gêne, là, la casquette qui tombe. Je vais couper tout ça.
et puis que je vais me balader là, dans le bois avec. Hein? Ouais, ça fait déjà 24 minutes, c'est pas possible. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes que je tourne. Allez, je vous laisse là-dessus, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss.